Hey, 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 Kéké, petit Ké, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Pas n'importe lequel épisode, puisqu'aujourd'hui, ce sera un jour de fête. Hein? C'est un jour de fête, ça va être un jour heureux malgré la pluie, puisque nous allons bien célébrer le mariage d'Eva et d'Elijah. Oh oui, ça va être beau, ça va être beau. Oh, mince, Esther doit aller bosser. Ah bah écoute, ma belle, tu vas y aller, hein? Hein? Tu vas un peu y aller tout de suite parce que j'ai complètement oublié que tu devais y aller. Et alors voilà, premier jour de taf, ça va finir à 11h. Donc, pouvoir rentrer, je pense, largement, vu qu'il est 6h. Ça va, elle est juste un petit peu en retard. Oh! Super, j'ai un truc de cassé. Elle aura un petit peu de retard, mais elle sera largement revenue pour qu'on puisse faire pas l'anniversaire. Le mariage de sa sœur. Et bon, c'est encore un peu le boxon. On a notre super majordome qui, lui, on va dire qu'il est instruit, hein, parce que monsieur lit dans la salle de bain, dans les toilettes, plutôt que de bosser. Donc, génial, j'adore. Ah, depuis Daichi, rien ne va plus, hein. Tiens, voilà la belle du jour. Ma petite Eva, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu... Enfin, oui, elle a faim, mais... Oh là là, ça commence bien, dis donc. Est-ce que tu as faim dans le sens, ça te creuse particulièrement ce matin? Je vous rappelle que... Ah oui, parce qu'il y a tout qui est dégueulasse, je vous ai dit, moi, il fout rien, ce majordome. Parce que on a... Donc, elle va se marier, et surtout que la dernière fois qu'elle a vu Elijah, ils ont essayé de faire un petit bébé. Donc, voilà, je suis un petit peu... voilà, j'ai envie de savoir si elle l'est ou elle l'est pas, enceinte ou pas. Mais bon, ça, on le saura bien assez tôt. Ouais, t'as la raison, ça pue, voyons. Oh! J'ai vu les petites flèches, Eva! J'ai vu les petites flèches! Un petit noubou en préparation pour l'être Eva! Oh, oui! Elle est bien enceinte, ça c'est cool! Et bon, bah ça, on verra ça bah, plus tard, hein, elle aura quitté le foyer de toute façon pour accoucher et vivre avec son petit chéri. Donc pour l'instant, en tout cas, on sait qu'elle l'est. Voilà, c'est cool! C'est même Hélène qui sort de faire le petit-déj pour que son mari et ses deux dernières fifilles puissent manger. Waouh, pas mal! Elle a rattrapé, c'est pas des crêpes, c'est une omelette. Bon, après, j'ai jamais vu qui que ce soit faire ça avec des omelettes, mais bon, pourquoi pas, après tout, hein, Hélène. Voilà. Et puis, vous pouvez tous manger. Non, il y a quelque chose. Non, Lionel, commence pas à me casser les panards. Alors, et puis. Oui, bah c'est bon, je pense que tout le monde va manger. Oh, non, mais il met par terre en plus, il m'agace, c'est pas possible. Oh, Serge, la ferme, ça va aller. Allez, bonne app, mes choux. Oui! Je l'attendais exprès! Regardez-moi la belle. La belle Esther qui a déjà eu une petite promotion promue au poste d'investigatrice. Esther était promue investigatrice. Elle gagnera désormais 8 simflouz de plus par heure, soit 29 simflouz de l'heure au total. Elle a également reçu un bonus de 241 simflouz. Cette prochaine journée de travail commence lundi à 10h. Oh, je suis bien ma belle. Bon, allez, elle est qu'au niveau 2, hein, oui. Mais c'est toujours ça, cocotte. Est-ce que tu... Oh là là, il y a des trucs à faire là. Est-ce que tu peux désherber et puis tout ré... non, pas tout récolter, tout vendre plutôt, hein. Comme ça, on se sera occupé du jardin et on pourra passer à la suite assez rapidement. Je suis désolée, ma belle, hein, tu vas te prendre la flotte, mais tu es belle et conquérante, donc tu y arriveras. Oui, j'ai pas encore enlevé les citrouilles, ça va rester un petit peu. Oh bah ça va, même sous la flotte, tout le jardin, ça la divertit en fait. Donc c'est pas mal du tout. Oh, il y a des petites choses à faire évoluer par contre. Un petit dahlia. Yes. Ah ouais, ça l'a diverti. Cool. Bah écoute, éclate-toi bien, ma belle. Bon, j'ai finalement envoyé Hélène aussi le prêter main forte parce que sinon, je pense que elle toute seule, ça va durer des jours. Elle a pas les mêmes skills, donc voilà. Au moins, Hélène, elle aide un petit peu à la récolte et au désherbage. Ça ira plus vite. Bon, ma belle Eva, il est temps que tu organise ton petit mariage avec ton petit amoureux. Et nous voilà! Oh là là, attention, hystérie collective! Ah non, ils sont tous contents de voir l'Hélène qui est parfaite aujourd'hui, qui est tellement belle comme d'habitude. Tout le monde, ou presque, a revêtu ses habits de lumière.
C'est Isabelle Anand. Bah, ça, elle doit avoir la coiffure devait être des cheveux que j'ai mis en CC, mais comme j'ai quasiment tout retiré. Eh bien voilà, alors notre petite Eva a des gants noirs à sa tenue de mariée, j'ai envie de dire no way. J'ai oublié de changer la robe de Laura, mais c'est pas grave. Eva, non, Esther, pardon, excusez-moi, il y a trop de blondes dans cette famille. Esther, elle a une jolie robe comme ça, et Anaïs a carrément fait péter la super belle robe. Et nous sommes bien sûr dans la petite église de village de campagne que j'avais fait déjà et que j'avais partagé avec vous sur ma chaîne, qui est donc dispo évidemment, et bien dans ma galerie. Bon, bah c'est parti. Alors, les invités vont arriver, tout ça, et on va pouvoir se marier. Oh, mais regardez qui est arrivé. Regardez qui fait partie du cortège et qui est bien là. C'est Caleb, c'est le chéri de Laura. Oh, et voilà, le petit Kissou. Ils sont trop mignons tous les deux. D'ailleurs, attendez. Il est jeune adulte et elle est encore ado. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, c'est pas encore maintenant qu'ils vont pouvoir faire des choses, du coup. Mais bon, c'est pas le lieu ni le jour pour faire des galipettes. Hein. Enfin, en tout cas, pour les invités. Hein. Peut-être la mariée, mais pas les invités. Oh, regardez qui est là! Oh, Raphaël Telmar! Le père d'Eva et Esther, et qui est bien là. Pour l'anniversaire, j'allais encore dire. Mais non, pour le mariage! Voilà, c'était venu un vieux papy. Oh, c'est fini les jours heureux. Ouh là là, ce pantalon vert de qualité. Les jours heureux où tu pouvais draguer à tout va, hein, mon pauvre vieux. Maintenant, c'est fini, hein. Voilà, allez, tu peux rentrer. On va tous dans la petite église. Anaïs, Anaïs, tu peux venir s'il te plaît à l'intérieur parce que là, je. Non, tu vas pas faire une sieste, non. Voilà. T'allonger par terre, c'est sympa, mais bon, forcément, oh là. Mais si le marié, il est en train de faire des chamallows, non, il fait quoi? Il fait une saucisse, non, mais la grosse blague. Déjà, bon, je m'excuse, il y a des chauves partout, c'est parce que les cheveux s'étaient dessécés. Mais regardez, vous la reconnaissez? C'est Chantal. Chantal, elle est vieille, elle est chauve et elle est nue. Oh mon Dieu, n'importe quoi. Allez, regardez comme ça. Comme ils sont bien disciplinés, tout ce monde, pour l'instant, hein. Anaïs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas danser, tu reviens t'asseoir. Ah, oh, au pire, tu appelles ta tatie, je sais pas, mais c'est pas possible là. Hein? Il va falloir se marier, ma petite. Alors. Esther, elle est où là? Je suis paumée moi. Esther, qu'est-ce que tu fais des saucisses? Mais c'est suffit, mais viens là. Ta soeur va se marier, bon sang. Viens admirer le spectacle. Le spectacle. Regardez, le marié arrive. Ah, quand même. Le marié arrive. Nous allons pouvoir donc bah, le baratiner. Bien sûr, il l'embrassait parce qu'il faut l'embrasser. Et puis après, on va se marier parce que sinon, la cérémonie va partir en vrille, je le sens, un peu comme à chaque fois que je fais des mariages, c'est plus possible. Et voilà, ça commence. Un petit mariage. Oh, des petites remontées acides, ma petite Eva. Bon, Ah, les cousins s'en vont enfin parce que là, ça commence à être un peu cringe. Alors, les amoureux. Oh, oui! J'aime trop les mariages dans les Sims. Je suis gaga. Allez, mariez-vous! Promettez-vous l'amour pour toujours et une ribambelle de petits-enfants bruns et blonds. Oh oui! Elle est belle, notre Eva. Elle va bientôt, malheureusement, quitter le foyer. Oui! Bravo! Et là, comme d'habitude, je regarde et... Ah, si, 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 si! Alors, il y a des gens chauves et nus, tout ça, mais ils étaient presque là. Hélène, elle est quand même là-bas au bout. Il y a Nadine, il y a Philippe, il y a Anaïs qui est là. Esther, elle est là-bas avec Geneviève en train de danser, tout va bien. Et j'ai perdu de vue une des filles. C'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est qu'ils se sont mariés! Voilà, c'est super, c'est l'amour, baiser passionné parce que quand même. Ah, pardon, j'ai pas mis play, sinon on va avoir du mal, hein.
Et hop là! Et voilà, c'est l'amour. Bravo, vive les mariés! J'ai encore un traiteur de qualité qui m'a fait un gâteau sans les décorations de mariage, c'est logique, hein. Alexander Gunz. Oh, il est là, il est. Alors, c'est Esther qui l'a invité. Et les jeunes adultes, les enfants. Ah, on va pouvoir le dragouiller. On va pouvoir dragouiller. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'elle était froide, mon Dieu. Ah, en tout cas, ils sont contents de se voir. Ce qui est pas une mauvaise chose. Alors, est-ce que ouais, tu as mis ça, ma cocotte? Ajouter la décoration de mariage. C'est bon, elle l'a fait. Tu vas donc. Attends. Ah, tu dois faire pipi, je sais. Et tu vas couper la pièce montée. Excusez-moi, du coup, j'ai le futur géniteur des enfants de ma belle Eva. Esther, ça y est, je sais plus, hein. Qui est là, donc je suis focus. Bien sûr, on va regarder ça. Pendant qu'il mange la première tranche. Oh, elle doit pisser, elle va se pisser dessus. Mais ça, c'est de tradition dans mes décades, moi, les mariages. Les mariés se font pipi dessus, c'est très couru. Ah, c'était trop mignon! Voilà, c'était super. Mais vous n'êtes pas obligés de rester tous là maintenant, hein. Vous savez, normalement, on a un traiteur qui fait à manger, normalement. Oh, ils deviennent meilleurs amis, c'est pas mignon tout ça. Alors, il va falloir quand même que tu le dragouilles un petit peu. Juste ce qu'il faut, hein, pour voir s'il est plutôt apte à te kiffer d'amour ou pas. Parce que. Complimenter lourdement l'apparence. Une fois que ce sera fait, on n'aura plus besoin de le redraguer 15 000. Hein, il sera dans notre poche, mais en attendant. Oui. Il a l'air plutôt open que le garçon là. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. On va pouvoir, eh bien, tout simplement, le ferrer, le pauvre. Le pauvre, tu ne sais pas encore ce qui va t'arriver, mon petit. Hein. Moi, je te le dis direct. Hein. Ah, boum, boum. Oh, tu m'as tué en plein cœur. Oh, tu es belle, tu es sexy. Regardez-moi ça. Qui pourrait résister? Ouh là là, Chantal qui passe. Oh là là, suggestif. Suggestif. Oh! Premier baiser. Non, je ne veux pas rater ça. En plus, au bord de la belle petite fontaine, regardez comme c'est romantique. Romantique. C'est si beau que j'en ai plein de tics. Oui, bravo Esther. Bravo Esther. Ça y est, c'est ton petit amoureux. Est-ce que tu vas l'enlacer? Est-ce que tu vas lui faire un bisou froid? Attention toi, hein, on te surveille. Hein. Qu'est-ce qu'elle a? Oh punaise, mais va pisser, va! Va fertiliser, je t'en prie. Va. Parce que tu vas te pisser dessus, ça va pas être simple. Hein. Bon, et vous, alors du coup, ça va? Ça va comment que ça va? Tiens, tu vas quand même dire bonjour. Oh, mais vous connaissez pas les copains, ça me rend ouf, moi. Regarde, elles sont vraiment contentes de voir ce qui se passe avec Esther. Ouais, Esther, elle a enfin pécho! Trop cool! Que ceux qui ont faim viennent manger un morceau. Comment va Eva? Eva, viens manger. Encore, t'as le bidou qui couine là. Oh, regardez-moi ça, couper la pièce montée, mariée, oh là là, tout va bien. C'est juste le petit buisson qui l'a un peu dégoûté. Puis elle a pas encore popé son petit bidou, donc. Pour l'instant, elle est encore une mariée en blanc. Mais bon, c'est bon, on est mariée, donc elle peut annoncer sa grossesse. Oui, mais ça va pas tarder. Je suis en train de me rendre compte qu'ils sont trois à avoir la même couleur, en fait, d'espèce de bleu-vert. Et les mariés sont en blanc doré. Enfin, les mariés. Mère et fille, quoi, sont blancs dorés. C'est n'importe quoi. Finalement, il n'y a que Laura qui n'a pas des couleurs dans les deux. Il y a du blanc et noir, mais... Ouh, mais ça se passe bien avec Alexander. Ah, ils sont enfin des bons amis. Bah, il est temps quand même, vous êtes mariés, j'ai envie de dire. Comment ça? Oh, Eva, elle n'a pas l'air d'apprécier le copain de sa sœur.
Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Non mais dis donc. Avouez, c'est tellement pathétique quand ils sont froids qu'ils ont du mal à draguer et tout, c'est vraiment trop nul quoi, mais bon. Hein? Ah, demandez nerveusement d'être son petit ami, mais oui, quand même, officialisons les choses. Si vous pouviez faire un petit quelque chose dans les buissons, moi je serais pas contre, hein. Puisque là, on a des buissons qui sont dispo. Oui, je crois qu'ils veulent bien être petits amis. Oui, ça c'est cool. En même temps, ils étaient très amis, donc. Allez, on va aller fêter ça dans le buisson. Quoi? Ah, quelqu'un qui va pisser dans le buisson? Oh, bah attends. Allez ici ensemble. Vous allez peut-être pouvoir quand même. On va quand même essayer de le faire. Ça y est, ça y est, ça y est. Oh! Oui! Ils vont emménager ensemble. Mais ah, ça m'a coupé! Oh, vite, zut! Pour le crac-crac. Hop là, reprenons où on en était. Ah, Esther et Alexander consomment leurs affaires dans le petit buisson du bonheur. Bon, ben, salut tout le monde, hein! Ça faisait plaisir de vous voir. Salut Caleb, à très bientôt. Salut Nadine, Nadine. Au revoir monsieur. Oula! Oh, c'est pas vrai. Ils font des choses dans le buisson. Le buisson remue drôlement bizarrement, dis donc. Salut Guillaume, salut Geneviève, à très bientôt, peut-être. Et donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, il y a eu une annonce, c'est bientôt l'anniversaire d'Hélène. Donc Hélène va devenir une vieille mamie. Et ça, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie. Elle est tombée dans les vapes, Esther. Oh, c'est pas grave, tu... Voilà, hein, au moins tu n'auras pas perdu au change, tu auras gagné un joli petit ami, hein, et puis il viendra vivre à la maison sous peu, puisque de toute façon maintenant c'est officiel, hein, vous êtes ensemble, tout ça, et puis vas-y, tu peux lui refaire un gros bisou, de toute façon maintenant vous êtes allé tellement loin, hein, dans le buisson en plus, donc. Oh! Et lui il est content! Oh, Esther, elle a réussi à emballer, c'est trop cool! Bon, c'est bien n'importe quoi là. Et on est de retour à la maison et vous allez aller tous aller au lit parce que je pense que là, oui Anaïs, tu vas aller aux petites toilettes avant, Laura, tu vas au lit et toi tu vas aux toilettes et au lit aussi, ma belle. Et l'Hélène, hein, parfaite comme d'habitude. Oh l'Hélène, elle sent un peu, ouais. L'Hélène, oh t'es encore là toi? L'Hélène, elle sent un petit peu de dessous les bras, donc tu vas prendre un bain. En plus, toi, t'es pas trop fatigué encore, donc ça va. Oh là là. Trop d'émotions pour Esther. Elle n'aura pas résisté à l'appel du parquet, hein, où elle se repose maintenant, là. Les fesses à l'air, en plus, sur la salle d'escalier, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. J'espère que cet épisode, en tout cas, vous aura plu. Voilà, Eva est mariée, elle va être maman et elle a déménagé. Et Esther, ça y est, son avenir s'est mis en marche. J'espère que, eh bien, tout se déroulera bien pour elle par la suite. Moi, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. N'hésitez pas à mettre un comme, un like, à vous abonner, à partager la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des décats de sur ma chaîne ou d'autres choses. Allez, salut!